Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur TPF2. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est mal passé. Bon, alors je suis en pause actuellement, mais voilà, ici c'est pas la grande forme. Ça a embouteillé un petit peu beaucoup. Pour voir avec la route là que y a du monde. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qu'on a fait ne fonctionne pas. Donc on va modifier légèrement cet endroit-là pour le rendre un peu mieux, comment dire, un peu plus fluide. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors il y a une solution, ce serait de doubler légèrement les voies. Et en plus là on a les trains, donc on va le faire. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, c'est très simple. Il me faut pour cela des voies ferrées, parce qu'apparemment c'est pratique pour faire rouler les trains. Donc voilà, on va faire tout simplement un truc là comme ça, voilà, avec une petite aiguille ici. On va la mettre à 100 km/h. Voilà, hop. Donc une aiguille là comme ça, et là pareil de ce côté-là. Et si on y rend peut-être un poil plus joli. Alors du coup ça fait sauter celui-là, c'est pas grave. Hop, on va supprimer ça, on n'a plus besoin. Alors comment on peut faire pour que ça rende plus joli? Donc toi tu arrives là et après tu vas arriver là comme ça. On va mettre à 90 km heure. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, et donc toi ici tu vas venir là. Voilà, et hop, et là après on repart jusque là. Et là hop, on se raccorde. Hop, alors du coup c'était en pente légèrement, un peu moins que ça. Voilà, une pente comme ça. Est-ce que là, je peux faire une aiguille à 90? Non, à 60. Ok, bah 60, c'est pas grave. Quoi que je souhaite, c'est... Ouais, non, si, un peu plus vite quand même, ce sera pas mal. On évitera de perdre de la vitesse, du coup on va juste faire un truc tout bête, hein. On va juste se raccorder directement et faire l'aiguille. Ah, on n'arrive pas à faire l'aiguille qu'il faut par contre. À 76, hein. Ouais, bon, tant pis, hein. Perdre un peu de vitesse. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est vrai que c'est pas pratique. Ouais, non, ça me plaît pas en fait. C'est pas pratique le fait que ce soit en courbe. Alors on va aller jusqu'à la ligne droite qu'on a là-bas. Ce sera mieux. Voilà, jusqu'ici. Hop. Et là, bah du coup, on peut mettre 120 peut-être. On va mettre 120 du coup. Voilà. Hop. Ce qui fait que là, on se prend un petit carré en sens unique. Voilà. Un autre ici. Hop. Toi, on le supprime. Du coup, tu pourras quand même avancer, donc c'est bien mal. Toi, pareil, on le supprime. Voilà, un autre carré en sens unique là. Ensuite, sens unique toujours ici. Et de ce côté-là, on l'a déjà mis. Ok. Donc là, on est bon. Est-ce que je mets un signal là pour sortir ou pas? Non, il n'en faut pas. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Là ça fonctionne, là ça fonctionne. Et bah écoutez, je crois que c'est réparé. À mon avis, c'est réparé. Alors lui il va pouvoir avancer. Alors, il peut pas avancer parce que lui bloque, parce que lui bloque, parce que lui bloque. Ok, bon bah toi il faut faire demi-tour par contre, t'as pas le choix. On peut faire demi-tour. Voilà. Hop, tu vas avancer tranquillement de ce côté-là. Voilà, parfait. Là on va le faire faire demi-tour ici, comme ça il reprendra la bonne voie. Hop là, demi-tour, et on repart du mon côté cette fois-ci. Voilà, parfait. Et lui, il va pouvoir avancer. Et toi, tu vas pouvoir partir et toi, re-rentrer en gare. Ah, que c'est compliqué, hein. Mais oui, ce sera plus fluide comme ça. Ouais, c'est pas moche en vrai. C'est pas moche et ça fluidifie pas mal la ligne. Donc, c'est plutôt positif. Par contre, toi, tu es bloqué par toi. Effectivement, donc toi, demi-tour aussi. Voilà, toi demi-tour aussi. Voilà, tu reviens là. Hop. Ah, petite sauvegarde automatique. Donc, on va le faire revenir à dégager cette aiguille-là, pardon. Et on va le faire faire demi-tour encore comme l'autre. Pour que ce soit, comment dire, un poil.
un poil plus fluide la circulation, un poil mieux réparti, j'espère. Voilà, hop, demi-tour, et là tu vas passer à gauche. Voilà, parfait. Et donc toi tu peux commencer à avancer, toi tu pourras repartir. Non, bah lui va rentrer en gare d'abord, ok. Là on va retrouver un peu de fluidité là. Et juste une petite vérification que je veux faire, ok, donc là ça passe bien en termes de longueur. Et là aussi ça devrait passer correctement par rapport aux aiguilles. Ouais, ça passe large. Ok, parfait. Parfait, parfait. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trafic là sur cet axe là, cette route là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire passer la route ailleurs? Pour récupérer un peu le relief qui est là, pour faire passer la route par-dessus. Mais le relief est quand même énorme. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup, si on ferait pas un pont. Peut-être un pont sous la voie là, cet endroit là. Ouais, on peut se faire ça, ça peut être pas mal pour la route. Alors pour ça par contre il faut que je... Est-ce que je peux mettre un pont à altitude 0 là? J'ai pas le mode, ah mince j'ai pas le mode. Parce qu'en fait voilà, à cet endroit là, imaginons que ici... Est-ce que tu me proposes un pont? Ça m'étonnerait hein. Non effectivement, il me propose pas de pont. Alors si je prends une route... Il faudrait plus une route de ville d'ailleurs à cet endroit là j'ai l'impression. Hop, et si je prends une route et que je l'enfonce dans le sol. Est-ce que là on n'est pas... Non on n'est pas trop bas encore, ça va. Alors c'est moche hein, les bâtiments qui sont là, mais ils vont sauter hein, je vous rassure. Ils vont être démolis. Hop, et voilà, et là on peut se mettre un petit pont. Qu'est-ce que j'ai comme pont qui peut rendre sympa? Oh non, pas un pont comme ça. Ouais, ce pont-là, il peut être pas mal. Hein. Ouais, validé pour ce pont-là. Allez, hop, on va... Oh, c'est moche, ça, par contre. Ça, c'est très moche. Non, mais sinon, ça, ça sautera. Donc ça, on va pas s'embêter avec ça. On supprime. Mais pourquoi, du coup, je suis pas plat? Attendez, on va supprimer jusque-là, un peu plus loin. Voilà. Hop, et là, si je te fais ça, qu'est-ce que tu me dis? C'était ce pont-là. Et là, logiquement, ce sera plus joli. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. La route est un peu basse. Ah non, ok, ça a pas fait ce que je voulais faire. Non, je voulais voir si je pouvais juste la... la surélever un petit peu pour que ce soit plus joli quand même. Oui, comme ça. Hop, ouais, on est pas mal là. Là, on est pas mal. Un peu plus comme ça, peut-être le pont. Voilà, et là, hop, on se raccorde ici. Et là, on va... Ah, c'est encore la ville qui est là? Waouh! Ok, bon, on va mettre une route de ville, du coup. Je présume. Hop, et mettons, on fait un truc comme ça. Et là, on a encore un bout de ligne droite, peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, bah ça, c'est pareil, on y améliore un petit peu, quoi. Si c'est encore la ville jusque-là, autant laisser une route qui va. Par contre, c'est un peu moche à le fait que ce soit juste tout seul. Voilà, ça c'est mieux. Et là, c'est possible aussi. Non, c'est pas possible ici par contre. Mais c'est ouais, c'est bon. Ok, c'est parfait. Donc voilà à quoi ressemble maintenant l'entrée de la ville. Qui est quand même mieux. Hein. C'est mieux d'avoir ce petit pont là qui passe au-dessus de la route. Que le PN saturé. Là, on voit les trains, ils pourront... ils pourront passer au-dessus de la route et s'arrêter sur à l'entrée de la gare, ça gênera moins. Autre petite modif que j'ai fait également, qui est... Alors, je sais plus où c'est. C'est très léger comme modif. Voilà, c'est ici. Les trains de fret, vous voyez maintenant, ils rentrent au faisceau au lieu de passer directement, on va dire, en ligne. Parce que le problème qu'il y avait, c'est que bien souvent, ils étaient arrêtés au carré qui était ici, donc en contresens, ce qui bloquait les trains qui venaient en face. Parce que pour rappel, cet embranchement-là, on a dit, vu que c'est à côté de la gare, on met qu'une seule voie, qu'une seule aiguille qui se remet sur les voies, et après le train passe dans le bon sens au niveau de la gare. Mais vu que ça gênait, et que le faisceau était là, et qu'il y avait des voies qui ne servaient à rien, je dis, bah, autant le faire passer par le faisceau, au moins, comme ça, voilà, vous voyez, s'il y a un train qui arrive en face, il libère la voie. Parce que là, imaginez cette configuration-là. Ce train-là bloque la voie. Mon fret, il est arrêté là, et il y a le train qui arrive en face qui est bloqué aussi.
Là au moins le train est rangé au faisceau, il gêne personne et puis voilà. Bon, même si là du coup il passe tout droit vu qu'il n'y a pas de train, ça sauve dans certains cas, ça sauve. Et en plus vu qu'on a deux frettes maintenant sur la ligne, c'est des cas qui sont amenés à plus se reproduire qu'avant. D'ailleurs ce fret là, on voit qu'il commence à être entre guillemets vide, ce serait bien d'apporter un peu plus de bois ici. On voit qu'on pourrait en amener plus, il faudrait trouver une forêt pas loin où on pourrait amener du bois. Alors, en fret, pourquoi pas d'ailleurs. On pourrait y amener en fret parce qu'on voit qu'on a, on a déjà les deux forêts qui sont en proximité qui sont reliées. Où c'est qu'on a une forêt pas loin? Où c'est qu'on a une forêt pas loin? J'ai des trains qui arrivent par là ou pas? Je crois que j'ai qu'une seule ligne qui arrive là. Ouais, j'ai qu'une seule ligne. Ok, donc ça m'arrange pas. J'aurais peut-être aimé une deuxième ligne. Parce que du coup, l'unique ligne arrive de là. Ok, donc faut réfléchir. Est-ce qu'on n'arriverait pas à ramener une forêt vers cette gare-là en camion? Non, il n'y a pas de forêt dans le secteur. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a des forêts dans le secteur. Là, il y a une forêt ici. Ça fait loin. Ça fait loin pour ramener du bois là. J'ai une forêt qui est là. Mais faut passer par Bruet pour y aller. Donc c'est compliqué entre guillemets. Et puis dans le secteur, à la limite, j'en ai plus besoin de cette forêt là. On voit qu'on peut faire une petite chaîne. Non mais ouais, cette forêt là m'aurait bien tenté, mais pour la relier à Olioul en camion, faudrait passer par là, faudrait passer par là. Et là, vous voyez que là, à moins de faire un tunnel dans la montagne, on n'a pas trop la possibilité, quoi. J'ai pas envie de passer par Aigueblanche. Ou alors, faudrait faire une route qui passe là. Mais après, ouais, ça fait loin. Hein. Ça fait loin. Comment je pourrais amener du bois, sinon? On réfléchit ensemble, hein, on va trouver la solution. Parce que pour amener le bois... Là, j'ai une forêt qui me sert à rien, là. Donc, ça me fera un nouveau train de bois jusqu'à Saint-Claude. C'est Saint-Claude? Oui, Saint-Claude. Mais là, toi, pour partir en train, il faudrait te relier par la route. Bah, potentiellement jusqu'au port de Xertigny. Et après, du port de Xertigny, hop, on fait partir un train. Direction... ah ouais, non. Ah si, par là. Pour faire le grand tour par là, par Iseur. Je sais pas si en termes de capacité de trafic ça passerait. J'ai peur que c'est trop saturé Xertigny. On n'a pas tant de voies de libre de passage que ça. On pourrait le... Ouais. Attendez, je réfléchis. Ça nous manquerait d'une voie de passage quand même. Hein. Ça nous manquerait d'une voie de passage. Et le port risque d'être trop saturé. C'est quand même beau, hein. Oh, regarde-moi comme c'est beau là. La petite scène là, avec les 4 trains. Ah, c'est cool TPF. Hein. C'est très très cool. D'ailleurs là, du coup, on sature vite peut-être, non? Est-ce que j'ai pas moyen d'agrandir? Je pense pas, hein, parce qu'il y a le pont à côté. De ce côté-là, je peux agrandir un peu. On va agrandir un peu ici. Non, là, c'est impossible. Bon. On aura agrandi un tout petit peu. C'est ça de prix. Bon, le train de charbon, il part pas. Voici, c'est bon. Vous voyez, c'est ça que j'aime. Quand je vous dis que c'est trop saturé, c'est que c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de trains. Ou alors, sinon, on monte en camion. Ouais, mais ça fait loin après. Je vais dire, on monte en camion jusqu'à Stein et après, on part de Stein. Mais même, ça ne servirait à rien parce qu'on peut pas aller à Olioul. Le choix est dur. Mais on va partir sur le port, je pense. Là, les deux forêts là sont exploitées. Exploitées à fond pour celle-là. Et celle-là aussi. Ouais, on va essayer de récupérer le bois qui est là et l'emmener jusqu'au port de Xertigny. Alors, la route, par contre, où est-ce que je la fais arriver? Ça, c'est une bonne question. Ah, ça grandit bien. D'un côté aéroport, là, ça... Ça pousse bien les maisons. Alors, je sais pas, ça dépend de Xertigny le Vieux. On n'arrive pas à voir de où ça dépend. Si tu sais. Ah non, on peut pas. J'ai pas le mode sandbox. Avec le mode sandbox, on peut supprimer des villes entières en cliquant sur leur nom avec
une petite suppression et on voit du coup où ça appartient, mais là vu qu'il n'est pas activé, je ne pourrais pas voir. Bref. Où c'est que je... Bah je le ferais bien arriver en face de cette route là. Genre on peut faire un... Non, ouais je sais, je sais, je sais. Est-ce que je peux supprimer ça? On va supprimer ça. Vous allez voir. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, là on vise à peu près. Voilà. Est-ce que j'y veux en ville? Ouais, jusque là en route de ville. Et là après on passe en route de campagne. Enfin route de campagne, en route nationale on va dire. Voilà, hop, toi. Ici, un truc comme ça. Je sais pas si ce sera utilisé ça du coup. Ah oui, c'est utilisé, ouais, regardez. C'est utilisé, donc en plus on évite de la circulation là au rond-point, donc c'est pas mal. Et devant l'aéroport, le petit détour. Mais enfin, détour, non, du coup c'est plus rapide en plus, donc c'est pas mal. Hop, et là, on va faire un petit virage là, on va passer... Là, on va éviter un peu la forêt, on évite les arbres, on évite de supprimer les arbres, hein, c'est... On est en 2087, on évite de supprimer des arbres. Hop. Le droit de vote des arbres a été d'ailleurs proclamé le 30 juin 2085. Donc on respecte les arbres maintenant. Hop. Voilà, et là on se raccorde ici. Alors ça fait un peu un truc bizarre. C'est chiant ça que des fois ça fasse ce genre de choses. Donc là, on va rester sur du plat. Voilà, et là, on se raccorde, là, comme ça. On améliore la route, et cette route-là, du coup, elle sera raccordée à là. Et puis si jamais des gens veulent à Xertigny depuis Bétoncourt, ils pourront par la route, par cette route-là, qui sera peut-être plus courte que passer par Poitiers, quoique à Poitiers, après, t'as l'autoroute, donc ça va voir. Enfin bref. En tout cas, notre bois est relié ici. Donc on va se faire maintenant... un petit arrêt de camion, tout simplement. Hop, on va prendre les bons, voilà. Marchandises, 30 mètres. On va se le caser ici. Est-ce que ça veut bien... Oui, ça raccorde besoin que la route, là. Hop, on supprime pas l'arbre. Enfin, attention. Hein. Voilà, et hop, après, ça vient jusque là. Ça arrive là, ça fait le tour ici, et ça va au port. Le port qui est relié à là, mais pas à ça. Pas à la gare de Xertigny-Fret. Ah, ça, je sais pas comment le faire du coup. Je sais pas en fait où bois. Si le problème, c'est que les gares zigzag ne stockent pas le bois. Donc, comment je pourrais faire? Parce que là, on est d'accord, ça... En fait, c'est pratique pour décharger, ça. Mais pas pour stocker. La bonne question. Après, là, il n'y aura carrément pas assez hein, pour stocker ce petit truc. Et vous voyez, là, on va perdre de la cargaison, logiquement. Ah non, visiblement, on n'en perd pas, peut-être là-dessus. Non, on en gagne, même. Pourquoi on en gagne? Comment on peut en gagner? Ah oui, ce que ça produit. Bon, écoutez, visiblement, on n'en perd pas. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, quand même, de le faire arriver. De toute façon, faut le faire... Ouais, mais faut le faire arriver là. Le problème n'est pas changé. Le problème n'est pas changé. Sinon, il faudrait créer une autre voie. On pourrait récupérer ce petit bout de truc, là. Et tenter de mettre... Oh, mais ça, j'ai une courbe derrière. Oh, y a rien qui va. C'est horrible. C'est horrible. Non mais on va, écoutez, on va mettre pause, on va tout raser. On va tout raser, ce sera plus simple. Non, je rigole, on va pas tout raser, je vous rassure. C'est un prank. On va juste raser un peu de cette voie là. Et on va se mettre une gare 320 mètres. Ici. Une gare marchandise. Comme on a l'habitude de faire. C'est le dépôt, pardon. Voilà, gare marchandise. Une voie 320 mètres électrifiée. Hop, qui sera casé. Alors là, ça va pas passer. Il faut que j'agrandisse un peu cette voie là. Hop. On va dire jusque là. Et là, le quai devrait passer. Hop.
Ok, la route pose problème, donc on va la supprimer aussi, c'est pas grave, on la refera. On est plus à ça près, j'ai envie de dire. Hein. Vous savez, plus à ça près. Hein. Voilà, et là, par contre, pour relier avec le pont, on va bien se marrer. Alors, je vais supprimer cette route-là aussi, d'ailleurs, on supprime tout. Voilà, jusqu'au pont qui est là. Voilà. Alors oui, il y a des traces de texture au sol, c'est normal. J'avais retexturé pour des screenshots. Bref, voie ferrée. Hop, du coup, ça c'est non électrifié. Voilà. Hop. Voilà. C'est de passer à 140 d'ailleurs, là. Hop, là, un bout. Un bout de plat pour faire le passage à niveau. Et hop, là, on monte. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, c'est très bien, ça, en vrai. Hein. C'est très bien, ça, en vrai. Et donc, le passage à niveau... Alors, je sais plus où il allait exactement. Ok, il y allait par là. Donc, là. La route. Rue. Hop. Voilà, comme ça, et là, et là, et là, et là, il faudrait que je fasse un truc plus comme ça, là, hop, ensuite, ici, et là, non, pas comme ça, voilà, plus avec ça, ok, donc voilà, ça rend ça, on va, alors j'ai supprimé des signaux aussi du coup, ils étaient par là, si je dis pas de bêtises. On va les reposer. Hop, un là et un par là, je crois. Après, on a celui qui est là. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Là, on en rajoute un. Où c'est qu'on le met? On va le mettre au sol, on va le mettre là. Voilà, un ici. Hop. Je m'en rappelle parce que j'ai supprimé la route là, donc on va refaire la route devant, hop, ça, voilà. Ensuite ici et là, ouais, elle est comme ça. Je sais plus trop comment c'était, mais on va dire que c'était comme ça. Hein. Voilà. Et en plus, c'est... Ah non, c'est pas relié au port, dommage. Il manque pas grand-chose pour se relier au port, mais bon, c'est pas un souci, c'est pas le but. D'ailleurs, par contre, c'est relié à ce qui est là, c'est ça? Ouais, bah du coup, je vais faire arriver les camions, là. Ça saturera peut-être un peu la route, là, mais bon... Pff, ça évitera qu'ils passent par les PN, là. On est gagnant dans un sens. Et là, on va remettre play, du coup. Voilà, là, c'est tout bon. On va terraformer un petit peu. Hop, voilà, un truc vite fait comme ça pour y rendre joli. Hop, voilà. Alors, tu me 67 000 passes avec ces aérios. Voilà, je fais grosso modo, hein, j'y ferai plus beau hors vidéo. Ouais, c'est pas mal là. Et donc, on a ça. Ah, mais en fait, j'avais pas besoin d'électrifier parce que après, ça sera pas électrifié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui donne, en attendant, une nouvelle ligne. Deux camions. Qui part de là. Et qui va arriver là. Voilà. Parfait. Donc là, ça passe bien là. Et après, ça va bien se répartir là-bas. Et donc, ce sera la ligne fret-bois. Et du coup, elle part de où? Elle part de... Alors, ça dit que c'est Poitiers, mais... Ah, c'est Xertigny quand même. Mais j'ai déjà des bois Xertigny. Xertigny pour train. Voilà, pour dire celle qui va dans le train. Hop, et ensuite ça nous fait une nouvelle ligne ferroviaire. Donc qui va passer là. Ensuite notre autre passage désigné pour les frettes, c'est laquelle? C'est celle-là. Théoriquement c'est celle-là. Hop, donc tu passeras ensuite par le signal qui est là. Hop, et tu vas aller jusqu'à ici. Voilà. Et là, ça va pas le faire, là, je pense. Bon, il passe par une bonne voie, mais...
Faut voir ce qu'on peut faire, ça va vite s'embouteiller là en fait. Faudra qu'on modifie ça. On va déjà y lancer en l'état. Et puis on verra ce que ça donne. Par contre, je ne vois pas par où ça revient. Un des problèmes du jeu, donc ça sera la ligne de fret. Bois. Oups. Zertini. Depuis camion, maître. Comme ça, je vois lesquels c'est. Depuis camion. Hop. Petite sauvegarde automatique. On va attendre que ça termine. Ouais, j'ai peur du retour, en fait. Mais ça a l'air d'aller. Voilà, si je prends juste la ligne. Ouais, ça, c'est un... Ça fait un peu le bazar là, mais à la limite dans ce sens-là, c'est pas grave. À la limite dans ce sens-là, c'est pas grave. Par contre, ouais, non, faut pas que tu passes par cette voie-là. Faut que tu passes par la voie de passage qui est au milieu. Donc, hop, ajouter une gare. Voilà. Tu passes par là, ce sera mieux. Hop, ensuite tu t'enfonces là-bas, donc ça c'est bien. Hop. Là tu repasses là, tu passes là. Ouais, hop, hop, hop. Ensuite ici, qu'est-ce que ça donne? Oui bah ça passe là où il faut passer, hein, de toute façon. Là, après, tout est bon. Il y aura juste ici où il faudra améliorer un peu le passage. On va acheter des camions en attendant. On va déjà lancer la ligne. Donc acheter des véhicules, véhicules de, bah de marchandises, véhicules de marchandises, oh, attendez, je sais ce que je peux faire, c'était où, je viens d'avoir une petite idée là, qui peut être vraiment pas mal, c'était ici. Logiquement, ça passe en termes de correspondance. Et l'idée, en fait, ce serait de faire passer. Oups, mauvais truc. L'idée, ce serait de faire passer ma ligne sur la dernière étape uniquement avec le train qui roule déjà. En gros, de faire une correspondance pour le dernier kilomètre. Faire comme si les wagons changeaient de machine. Et du coup, il me faut un quai marchandise. Et ce qui permettrait en fait d'éviter de surcharger la ligne. Oh super, ça m'a décalé d'un quai. D'une case. Donc ça permettrait d'éviter de. De surcharger la petite ligne diesel, on va dire. Pour ça, il faut que je supprime ça. Il n'est pas important ce signal là. Si, je parie qu'il est important. Non, ça va. Personne n'a râlé. Personne n'a râlé, donc je prends ça que c'est bon. Alors, rail. On va reprendre nos voies. Et du coup, on peut faire électrifier et les correspondances feront en diesel pour la fin. C'est pas mal RP finalement. On va juste mettre ça. Voilà, ici. Et ce qu'il me faut, moi, c'est un petit quai en plus. Voilà, comme ça. Ah non, il manque encore un quai, pardon. Il manque un quai. Où c'est qu'il se cache là-dedans? Voilà. Donc. Ce qui fait que toi, hop, tu pars à 30 en électrifié, oui. Ah mais c'est chaud par contre pour faire ce que je veux faire. Parce que bien sûr, il faut que ça aille à droite. Pause. On va refaire du coup toute la sortie de gare, hein, pas s'embêter. Hop, à un moment, faut pas réfléchir trop longtemps, faut tout recommencer. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Parce que toi, j'ai besoin que tu ailles là, dans un premier temps. Et ensuite, quitte à te faire un petit zigzag bizarre. Un peu plus grand peut-être. Ah c'est bizarre quand même. Bon on va refaire toute la ligne je crois.
On va refaire toute la ligne. Bref, donc toi, hop, tu vas jusque là. Ensuite, on avait dit 30 km/h. On va upgrade à 60 quand même. Petit upgrade à 60, ça fera pas de mal. Hop, là, on monte. Ici. Là, comme ça. Là, ça monte encore un peu trop, c'est pas grave. On rase ça, on remettra des routes propres après. Hop. Voilà, et là, hop, on arrive. Ici, ça réduit la vitesse, c'est pas grave, on arrive à peu près à 30 km/h. Donc voilà, donc la première ligne donne ça. Et dans l'autre sens, en électrifié, hop. Comment on peut faire? J'aurais bien voulu garder la ligne droite qui est là, je pensais que c'était plat. Oui, c'est plat en fait, c'est juste moi qui suis mauvais. Donc on va faire autrement par contre, parce que c'est trop serré à mon goût. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. On peut faire un truc de ce style là. Même si j'avoue que ça ne servira pas à grand chose, donc plus comme ça. Ça sert pas à grand chose ça. On va dire voilà, c'est mieux. Ça sert à rien mais c'est pas grave. Non par contre c'est ça que je voulais faire après. Histoire dire de faire un truc un peu plus sympa. Voilà, quelque chose comme ça. Et là 2 TJD. Ouais, elle est vendue. Vendue pour ça. C'est pas idéal, mais bon, on va dire que ça passe. On va se mettre les petits carrés qu'il nous fallait. Hop, ah, il y a un sens unique par contre, alors non. Pas de sens unique. Voilà, un ici. Un ici. Et un ici. Hop, tout en temps, il y a le sens unique. Et voilà ce que ça donne. Alors, comment ça rend? Toi, après, tu veux directement aller à gauche. Et c'est pas idiot, c'est même très bien. Mais juste dans ce cas-là... qui serait plus pertinent, ce serait du coup toi tu vas aller ici comme ça et tu te raccorderas là. Hop, on va upgrade juste ici comme ça, voilà, et après tout là on est à 60 et du coup là je suis à 60 ou pas? Non, on va upgrade ici à 60, voilà, jusqu'ici. Hop, ça améliore un peu la vitesse. Et donc toi, là, on remet un signal. Voilà. Ce qui donne maintenant... Pourquoi tu veux passer par là, toi? Je comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. On va refaire tout... Donc toi, en fait, déjà, tu vas plus jusqu'à ici. Tu t'arrêteras ici. Oui, c'est pas relié encore, pardon, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut relier, apparemment ça marche mieux quand on raccorde les voies. C'est comme ça. Hop, voilà. Hop, ah, une aiguille là, ça m'arrange pas. On va la supprimer. Voilà, et on va la décaler à cet endroit là. Hop, à 60, parfait. Voilà, et donc il nous manque un petit carré ici. Voilà. Donc toi c'est bon, toi tu fonctionnes. Ensuite la jaune. La jaune... Je me demande si... Non, en vrai elle est bien de passer par là. Mais sauf qu'à l'aller... passe pas par le... J'ai pas de point de passage, ok. Donc après celui-là,
Il faut que tu passes toi aussi par là pour faire la correspondance des deux lignes. Et ensuite, tu passes là. Ok, donc ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Et la dernière qui est celle-là. Pourquoi elle passe que dans un sens? Hein? Parce qu'elle est cassée. Tu devais passer par où? Par la 3. Par ici. Tu devais passer par ici. Et pourquoi tu peux pas y aller? Ah, c'est pas double. Ok, voilà. Pourquoi tu peux pas y aller? Voilà. Ok, et bah là, là, ça a l'air plutôt bon, là. Là, non, j'ai encore une erreur. Ah, ces deux lignes-là sont cassées. Ah, parce que oui, c'est les lignes routières. J'ai pas encore refait le trafic routier, effectivement. On va s'attaquer au trafic routier maintenant. Donc toi, tu étais cassé. C'est tout à fait normal, vu que j'ai supprimé la route. Comment on peut faire un truc propre? On a une route à faire passer ici. Donc moi, ce que je propose, on récupère la hauteur qu'on a là. Ah, ça fait un truc moche, ça, c'est chiant ça. Je demande du plat et ça me fait de la pente. Normal dans ce jeu. Hein. Bref, on récupère ça. Ah, c'est hideux. Hein. C'est vraiment pas beau. J'aimerais bien casser en fait cette colline là. Hop, on va casser cette colline. Vous allez voir. Voilà, on la recule un peu. Là, on va réaplanir vite fait. Voilà, quelque chose comme ça. Un peu plus là. Voilà, on va plus creuser ici. Cette route là, hop, elle saute. On reprend ça. Voilà. Ok, on y voit déjà plus clair. C'est plus agréable à regarder en tout cas. Et donc là, oui, là on va se mettre un petit pont. Du coup, faut que je prenne la hauteur avant. Cette hauteur là, peut-être, un peu plus. Quoique, si je fais après sur du plat, voilà. Là il veut. Hop, et donc là on met le pont qu'il me faut. Et c'est ce pont. Ce pont là. Voilà. Donc ça c'est parfait. C'est plat, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et ça ensuite, après on y raccorde là. Enfin on y descend là comme ça. Ici. On fait une route sur du plat. Là comme ça. Voilà. Et là on y raccorde. Pas comme ça parce que c'est pas joli. On va essayer de partir de là. Est-ce que je peux raccorder? Est-ce que je peux faire une petite ligne droite là qui descendrait? Oui, c'est pas choquant. C'est pas choquant, c'est pas choquant. Et donc là, encore un petit bout de ligne droite là. Voilà. Ok, parfait ça. Ensuite, de ce côté-là, on reprend ça. Voilà. Et on va ensuite... Alors, je suppose que là, ça va pas rendre joli. Waouh, le jeu. Alors, non. Non, le jeu. Pas comme ça. Non, on va reprendre cet axe qui est là. Et on va faire un truc... Voilà, parfait ça. Parfait, et on va juste, pour la beauté du truc, faire un truc comme ça. Voilà. Donc ça, on est bon. Ensuite, là, on va repartir en route simple. Et là, on se raccorde ici. Et là, ensuite, voilà, on se remet par là. Et ben voilà. Voilà qui est réglé le problème de ce secteur-là. Toutes les lignes fonctionnent, ça rend quoi? Ça rend que ça passe là. Ouais, vous voyez pourquoi le pont en 4 voies? Comme ça, il y a plus de voies pour nos camions, c'est mieux. Et là, on est bon. Là, on est bon, on peut mettre play. Les trains ne sont pas cassés, enfin, n'ont pas l'air cassés. Et toi, t'attends quoi pour partir par contre? Ah, il y a un train, ok. Il y avait un train. Ok, donc là, on est bon. Maintenant, on peut enfin acheter les camions et les trains.
Alors, Xertini, c'est ici. Xertini, c'est ici. Acheter des véhicules. Deux marchandises. On va mettre quoi? On va mettre cela, allez. Combien j'en achète? J'en achète 10. Et donc, ce sera cette ligne-là. Voilà. Et un train pour ici. J'ai pas de dépôt de ferroviaire. Est-ce que je peux le caser là-devant? Ça m'arrangerait. Un petit dépôt ici, je serais pas contre. Ouais, ça passe. Ok, parfait. Donc, acheter des véhicules. Et bah là-dessus, on peut y mettre... alors, le dépôt qui a du mal à charger. On retombe dans le trop de mode de TPF1 avec le dépôt qui met 50 ans à charger. Hein. Quel enfer. Donc, j'allais dire... est-ce qu'il y a déjà un truc tout prêt? Ben, ça me dérangerait pas. Oui, il y a. Ok. Il y a un couplage de 7200 en UM. Mais voilà, ouais. Je vais prendre mon propre couplage. Ma propre UM. On va mettre une petite frette en tête. Je sais pas quel numéro ils ont reproduit. Si on avait qu'une de frette qui était apte UM, c'était là. C'était là, 7411. C'était. C'est pas si vieux que ça en plus, hein. Quand on y pense, il y a 4 ans, elle roulait encore. Et maintenant, elle roule plus. Mais oui, il y avait la 7411 qui était APQM, c'est la seule. En livrée fret. Donc 7200 fret, hop. Ajouter, et on va prendre une béton du coup. Il y a une béton UM2, mais du coup, vu que j'ai pas mis l'UM1, on va dire qu'on va juste prendre la PV derrière, et puis voilà, je sais pas. Pourquoi il y a une différence. Mais c'est pas grave. En tout cas, on prend une PV derrière. Comme ça, on est bien limité à 100 km/h vu que c'est un train de marchandises. C'est RP. Et wagon de marchandises, tout simplement. On va prendre nos wagons pour le bois. Voilà. Et 300 mètres. 311 mètres. On fait un gros train. Mais un gros train. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, c'est parti. Une petite bécane. Vous pouvez rouler. Ah, c'est pas content. C'est pas content, parce que c'est pas électrifié, c'est ça. Il y a un truc qui est pas électrifié, peut-être ici. Peut-être que là, il manque un bout d'électrification. Ah oui, effectivement. Ah non, c'est bon, c'est électrifié. Alors, c'est pas électrifié, peut-être à l'arrivée. Et pourtant, si. Alors, où c'est que c'est pas électrifié? Ça dit jamais où c'est le problème, hein. C'est chiant, ça, hein. Je vois pas... Ah, ce son. Ah oui. Ah, du coup, c'est la 19. Donc, la 19 n'était pas APQM. Et derrière, on a combien? On a là 430, qui elle était APQM, par contre. C'est bien une PV. C'est bien une PV. Oui, par contre, pourquoi tu veux pas avancer, là? C'est électrifié, là, au bout d'un moment... Ça, c'est un problème d'électrification, hein. Ça, c'est sûr. Mais il veut pas nous dire où. Mais à part ici, je vois pas. Est-ce que j'ai pas mis... Ah oui, j'ai mis le caténaire sur la gare, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, bah, modification de rail. Oui, poète, c'est ça, poète. Hop, non, c'est là-dessus. Voilà, on est reparti. Allez, petit tour en cabine pour fêter ça. Avec ce train de marchandises. La vidéo sera longue, hein, tant pis. Hein. Tant pis, au moins vous avez votre tour en cabine. Donc on quitte le port de Xertini, même si c'est, on a une voie un peu plus jolie que le port. On va dire quand même que c'est le port de Xertini. Hop, on s'arrête au Carivelet. On laisse passer 767000 et ses deux Rio Picardie. Ah, faudrait aussi passer un ATER qu'il y a, on voit en gare. C'est pour ça que je dis qu'il manque une voie de passage. Ou on en revient au problème que je soulignais il y a peut-être de ça deux vidéos, ou une vidéo, je sais plus. Non, deux vidéos. Qui est que le jeu passe obligatoirement par une voie et ne cherche pas à passer par une voie de libre. Alors que des voies de libre, il y en a plein là pour le coup. Mais oui, ça c'est le petit défaut. En plus, vous voyez que le train est encore arrêté parce qu'une autre 7000 rentre en gare. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Non, mais du coup, ça ne serait pas le coup que je passe par ailleurs.
faut que je passe par une voie où il y a une ligne ferroviaire, c'est sûr, parce qu'il n'y a plus que ça. Et puis la voie de passage des frettes dans le sens, regardez, elle est déjà occupée par comment dire, le train de charbon, et on est obligé de laisser passer parce que il n'y a pas le choix. Enfin, on peut pas le passer sur la même voie parce qu'il faut que lui passe sur notre même voie. Donc il faut obligatoirement passer par une voie occupée par une ligne ferroviaire. Mais laquelle? Laquelle peut-être par la voie... Ah non, mais on peut pas expliquer, je crois. J'allais dire la voie des... du coup, des... J'ai oublié leur nom. Des City Jets. Des Desiro, voilà. Parce qu'après, on va sur leur ligne à eux. Donc peut-être que de passer derrière eux, ce serait pas mal. Enfin, faut voir. Il faut voir. Bon, en tout cas, on est parti, c'est l'essentiel. Ah, ça manquerait d'une aiguille, là, pour aller à gauche. Vous voyez, on va la faire tout de suite. C'est bien de faire du tour en cabine, on se rend compte de ça. Donc là, une petite voie à 60, alors qu'on est en sauvegarde automatique. Donc, caténaire, oui. Un truc, vous voyez, comme ça, on va tourner la fin de sauvegarde automatique. Voilà, comme ça, dans le futur, on pourra directement rejoindre la bonne voie, sans passer par cette horrible aiguille à 30 km/h qui nous ralentit fortement. En tout cas, on est parti de Xertini. Ça bouchonne un peu pour sortir du port, mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On arrive vraiment au dernier retranchement de la map, là, en tout cas, en termes de trafic. On est vraiment à bout. Sur Xertini, en tout cas, on pourra plus trop rajouter de trains, en tout cas. À moins de créer une nouvelle gare fret éloignée, mais on manque de place pour ça. Alors pourquoi justement les Desiro, City Jet. J'aime beaucoup la livrée City Jet, hein. On voit, elle rend bien sur les deux scènes. Alors, les voitures de Zen, elles avaient une très belle livrée avant, hein. Je dis pas le contraire. Et franchement, j'arriverai pas à départager entre l'ancienne livrée des voitures à deux niveaux autrichiennes et la nouvelle City Jet. Pour moi, la City Jet est très réussie. Elle rend vraiment bien. Mais c'est vrai que la livrée d'avant était aussi très belle. Bon, en tout cas, on est reparti, on prend de la vitesse, on passe sous la LGV et direction du coup Saint-Claude directement sans arrêt pour ce premier trajet à vide certes, mais premier trajet quand même qui mettra en place la ligne. Hop, donc voilà, on est à 100 km/h vitesse maximale. C'est vrai que ça, c'est un axe qui va être très saturé aussi, hein, je sens. Alors, on croise un autre fret d'ailleurs. Hop. Il y a quelques frises, hein, par contre. Le jeu a du mal. Alors j'ai pour projet de changer de PC d'ailleurs, parce que je sens très bien que... Déjà, le jeu n'est pas au maximum de ses graphismes, on va dire, sur mon PC actuel. Il est en moyen. Mais voilà, j'ai pour projet de changer de PC dans quelques temps. Et j'espère que ça permettra d'avoir des vidéos un peu mieux, un peu plus fluides. Bon, là, le jeu est pas mal opti non plus, hein. Il tourne à 40 FPS. C'est quand même excellent, hein. Là, je suis à 40-45 FPS. C'est quand même pas mal. Donc, pour info, j'ai une. En carte graphique, j'ai une 970. Donc, c'est une vieille carte déjà. Vu que derrière, il y a les 1070, puis les 2070. Et bientôt, il y aura les 3070. Donc, voilà. Elle a du vécu, la carte. Mais très bonne carte graphique. Hein. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle est déjà très vieille, comme j'ai dit. Enfin, très vieille. Elle a déjà son temps. Et elle fonctionne toujours aussi bien. Et franchement, c'est costaud. C'est rien à redire. Alors, comment c'est pas cette carte déjà? C'est Iseux, c'est ça? Oui, c'est Iseux. On passe Iseux. Hop. On prend le même chemin que les classes 91 maintenant. Ah, elles sont ça. Hein. Elle est rare, même K4, elle socialise vite. Hop. Et on passe dans le tunnel. Alors, c'est vrai qu'à 100, c'est pas très vite. Hein. On a peut-être mieux fait faire le trajet en voyageur. Mais bon, c'est comme ça. Hop. On croise un train de nourriture tiré par une vieille trompe PKP cargo, pardon. Hop. J'espère que les trains derrière nous ne vont pas s'entasser, ça va pas faire un bouchon.
Ah, c'est beau avec la ville et les montagnes derrière là. C'est vraiment la grosse ville au pied des montagnes. J'aime beaucoup ce qu'on a là dans la map en vrai. C'est un de mes grands préférés. Je trouve qu'il a une belle gueule. Et ça fait plaisir de revenir dessus. On avait un peu le délaissé là. Et c'est cool de revenir rajouter un train sur cette partie là de la map. Hop. On croise d'ailleurs un train de planche. Ah, il y a un wagon de vide dedans. On peut encore booster. Hein. Là, avec le train qu'on va rajouter, ça va vraiment bien booster la ligne. Et rentabiliser un peu tout ça. Et peut-être la prochaine étape, ce serait de. Les outils, de les amener ailleurs que. Alors, du coup, je crois qu'ils s'arrêtent là, à Hollywood. Ou à. Enfin, je sais plus. Les outils restent dans le coin. On peut peut-être les exporter ailleurs. Avec un nouveau train encore. On va voir tout ça. Hop, on passe le passage à niveau. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas, gêné. Hein, là. On est parti à 100 km/h, on est toujours à 100 km/h, on n'a pas perdu 20 km/h presque. Ah, ça c'est des champs que j'avais mis pour la miniature de l'épisode précédent. J'ai fait quelques petits champs, enfin, miniature un peu plus belle. Faudrait vraiment que je m'occupe plus du décor de la map en dehors des voies ferrées. Ça pourrait être pas mal. Ah, une classe 91. Et voilà, nous on arrive au terme de notre premier trajet. Enfin, du premier trajet des wagons, on va dire. Vu qu'après, dans le RP, ils sont repris par un autre lock. Ils sont emmenés en diesel. Hop. Là, j'ai pas relié la gare à la route, mais c'est pas grave. C'est pas gênant, ça empêche pas le bon fonctionnement. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Ça ira bien. Et juste petite interrogation, est-ce que le bois fonctionne? Oui, le bois fonctionne. Les camions sont un peu chargés. On en a mis 10. Ça devrait faire l'affaire. Donc ils vont passer là. Ouais, ils passent là. Ils font le tour. On en voit qu'un. Un là qui est là d'ailleurs. Bah, même juste ici. Hop, et ils vont ensuite se décharger. Bah, ici du coup. Mais voilà, ça prend en compte pour ici. On a déjà 10 en attente. Donc voilà, c'est formidable. C'est tout pour cette vidéo qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Merci d'avoir regardé au bout pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et à très vite pour la suite. Salut tout le monde!